c'est pas pareil de voir le match sur les caméras. Je vois rien du tout, j'ai l'impression. L'attaquant de pointe, c'est le 17, c'est celui qui est prêté par Nancy. Ce n'est pas commencé ce championnat par une défaite. Donc, on a les Norvis qui sont tout de suite à leur côté droit. On va s'extraverser sur l'environnement de Ayambo. Et on a stopper cette tentative. Donc, effectivement, ce championnat financier final qui revient du dernier Beauvoir, comme tu l'as dit, Paul, terminé du dernier championnat de national, 12 petits points. Elle est la meuf. La famille pour le repêcher deux dernières minutes à cause des descentes administratives, notamment d'une poirée sur Colonie ou encore Istres. Donc c'est une bénédiction de revoir les boutons d'or encore en national cette année. Il faut bien créer la surprise, même si la partie de préparation était délicate. Avec une petite victoire avec le CF2, c'était la rage de l'ASML du mars dernier. Une victoire 2-0 sur le premier match nul et des défaites. En face, c'est bien Boulogne, cheveux outsider de cette saison de national. Elle qui a terminé 7ème du dernier exercice. Boulogne qui avait démarré en fourbe, en étant sur le podium lors de la première partie du championnat, et en s'effondrant lors de la seconde partie après le beau parcours qui s'était achevé en Coupe de France. Donc c'est vrai que ce sont deux équipes qui ont beaucoup à trouver encore cette saison. On a fait un peu de temps. Entre Épinal, Finalien et Boulogne-sur-Mer, qui joue depuis 5 minutes ici à la Colombie. Thank you.
Ah, le 28, c'est celui qui joue avec Dijon. Allez les mecs, parlez-vous. Ça va, ça va, ça va. Ah oui, là, il y a là où. Stoppé irrégulièrement par Cédric Fabien qui a pris le premier carton jaune de cette rencontre. Les deux équipes sont bien en place pour l'instant. Les lignes sont solidaires, on monte en bloc des deux côtés. Il n'y a pas énormément d'espace à exploiter, même si les Spinaliens essayent de sortir de leur réserve, essayent de prendre le jeu à leur compte. Fabien là, en défense, on essaie de ressortir proprement, c'est bien joué, il saute pas les lignes, c'est très bien joué la côté droit, c'est un groupe qui est charlotté, et finalement les Spinaliens qui stoppent cette attaque et qui peuvent se dégager. Vous avez parlé de préparation mitigée des Boulonnais, c'est vrai, mais qui reste sur contre le Havre, hein, l'équipe de Ligue 2, donc il y avait déjà des bons signes annonciateurs pour les nordistes avant de démarrer ce championnat. On le sait, en position d'outsider, il y a quand même des ambitions cachées et un fort potentiel chez les partenaires de Grégory Thiel. Alors qu'on va très bien sur le côté gauche, essaye d'alerter Pierre Lucas, l'ancien bordelais. Thank you.
Ah, pas des mains, ça réussit Zidane se montre pressant, c'est un engagement de 6 mètres de tout bas, lavé, bien protégé par sa défense, mise à rude épreuve quand même dans ce premier quart d'heure, on dit depuis 13 minutes exactement, 0-0, ce soir le final est un peu plus vent vert, même si ça reste timide, le Boulonnais, bien qui joue au sol, c'est bien joué, ça peut être du côté des joueurs de Stéphane Mignon, et là c'est Olivier Robin, le portier du Bouton. Nord qui peut s'apparer du ballon pour Loïc Meyer, l'ancien défenseur central. Mais certes, il a remporté Colmar qui sera le prochain adversaire de l'Union sur mer. C'est la Colmar qui se passe là sur la pelouse d'Épinal. Partir côté droit la base de pour Fabien essaie de voilà, dépasser la ligne légale mais tout de suite la défense spinalienne joue assez haute hein, pour indiquer ses tentatives d'attaque. En tous les cas on essaye de mettre un petit peu plus d'intensité physique à défaut d'avoir beaucoup de fluidité technique en ce début de championnat mais on se met sur du côté du diversité de Thank you.
j'ai eu le deux. Allez, 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 allez
1-0 pour Dijon. Non. Je sais pas. Tu mises qui? Ndoumé. Tavares. Oh, mais c'est gagné. C'est Nancy. C'est Paris. T'es bien clairement. Non, mais c'est le jeune, deuxième lieu. Il l'a bien séché, mais c'est vraiment pas rouge. La saison passée, je me suis dit que ce championnat est extrême, c'est Jérémy, voilà le premier coup dur, en tout cas pour les finalières, voilà qui peut décanter la partie en faveur des Boulonnais. Je pense qu'à la colonière, la FML va dessiner derrière le but de Jardin pour ne pas se découvrir et pas se faire perdre. Ah!
Chicharron, là. Oui, c'est Martin Chicharron. Droite par Mercier, 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 par Merc
ce corner au niveau du 18 mètres, au niveau de la ligne des 16,50 exactement. Et les PLF qui se dégagent, pas pour longtemps, les dangereux. Le ballon actuellement la touche sera en faveur des boutons d'or, les finaliens encouragés par un grand millier de spectateurs qui ont fait l'effort de venir à la Colombière pour découvrir par curiosité ce SAS version 2015-2016, ce SAS revanchard pour le Tour de Chaotique. Je vous rappelle la saison passée avec la Ligue de 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 la à la Colombie. Apparemment, mon mec est raté. Donc, il y a un attaquant. Ça.
l'ouverture du score pour Boulogne. Allez Boulogne! Les filets de deuxième poteau, Thank you.